Bon, toi tu vas au bâtiment, tu récupères la liste, on se retrouve ici. On va faire la livraison, on va distribuer le matos. Vas-y. Toi, bâtiment 2, pareil. Bâtiment 3, plus vite, s'il te plaît. Le groupe de jeunes se rassemble rapidement avant de se séparer à nouveau. Leur première mission de la journée, aller récupérer les commandes. Une heure après, les jeunes reviennent un par un avec une liste. C'est à partir de ces feuilles que s'organise tout le trafic de drogue. D'après notre enquête, elle détiendrait toutes les informations nécessaires pour la livraison. Adresse, heure de dépôt et évidemment le type et la quantité de drogue que le client exige. Nous n'avons pas pu voir d'où venait la marchandise, mais notre caméra cachée a pu apercevoir le transfert de main. Les personnes qui livrent la drogue ne sont pas les mêmes que ceux qui vont la chercher à la source. Cela permet de garder le centre d'opération bien caché. Voici Dimitri, notre envoyé spécial. Cela fait 2 mois qu'il s'approche doucement de ce groupe pour essayer d'intégrer le trafic. Ok, on t'a habillé. Maintenant, il va falloir apprendre à parler comme eux. Ici, t'as toutes nos recherches. Comment ils parlent, comment ils se tiennent, où est-ce qu'ils se regroupent. Faut que t'apprennes tout ça par cœur. Je veux que ça soit naturel. Sinon, on ne pourra plus rien pour toi. C'est le point le plus sensible de la mission, la demande d'intégration. S'il le trouve trop suspect, ça pourrait mettre à mal toute l'opération. Ouais, toi. C'est comment y a pas moyen, je rentre dans le bus, là. Si, on le fait rentrer ou pas? Vas-y. Vois cette adresse, prends le sac. On regarde pas ce qu'il y a dedans. Le Caïd, c'est son surnom. Il semble gérer plusieurs groupes dans cette cité. Mais cela reste un chaînon dans tout ce trafic organisé. Les clients sont pas là. Reviens à 15h, là je te passe le sac. Regardez pas là. Ouais. Fais pas de dingue, regarde, pas de faute. 15h ici. Trafic ici. Ça du coup là, tranquille. Ouais, toi. Ouais. Ça fait longtemps. Ouais. Vas-y, dans tous les cas, on s'attrape. Vas-y, on s'attrape. J'ai un de leurs sacs de drogue. C'est pas censé être un réseau de drogue. Allô? Ouais, c'est Wilton. Ça va pas être possible le sujet là. Quoi? Le récupérer? Mais ça intéresse personne, des gamins qui font des courses pour des vieux. Les gens, ils veulent avoir peur. La drogue, la violence, ça fait peur. Pas du PQ, de l'éponge et des raviolis.